Bon les gens, ça fait hyper longtemps que j'ai pas commencé une vidéo par terre, mais si vous avez l'habitude de ma chaîne, vous devez avoir l'habitude de Nina qui commence des vidéos par terre. Je vais essayer de m'asseoir quelque part. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. L'éclairage est dégueulasse ou c'est moi? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que j'avais trop envie de vous tourner. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais adopter un animal. Donc pour ceux qui ne savait pas, j'ai deux chats que je pense que je vais déjà montrer sur la chaîne. Malheureusement je suis devenue au fil du temps allergique aux chats et ça fait que du coup je pouvais plus du tout les toucher et tout ça, et moi qui adore les animaux, et ben forcément ça me déplaisait beaucoup. Et c'est pour ça que je commençais à songer à adopter un nouvel animal, mais c'est pas un truc à prendre à la légère, donc j'ai vachement réfléchi. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai cette idée en tête. Et du coup après genre des recherches, vu que mes parents n'étaient pas forcément pour adopter un animal qui nécessitait trop de responsabilités, enfin pas trop de responsabilités, mais un animal qui était trop gros, qui prenait beaucoup de place et tout, au final je me suis donc penchée vers le lapin, parce que même si ça nécessite beaucoup d'entretien et tout ça, le lapin au moins il peut être dans ma chambre et je peux m'en occuper moi tranquille. Du coup, après des recherches et tout ça, j'ai décidé d'adopter un lapin. Je me suis vachement renseignée sur le lapin et j'ai décidé du coup d'en prendre un dans ma chambre. Après avoir voulu faire ça, j'ai cherché, parce que je voulais pas le prendre en animalerie. Du coup j'ai cherché des gens qui avaient des lapins ou un élevage. Il n'y avait pas d'élevage à côté de chez moi, mais j'ai trouvé juste à côté de chez moi, genre vraiment à pied, je peux y aller, une dame qui a deux lapins qui viennent d'avoir, enfin qui ont une portée il y a 2 mois. De deux petits lapros, ils sont juste magnifiques. Et du coup bah, j'ai été les voir, j'ai quelques photos, enfin j'ai 2 photos je crois. Et bah, forcément, enfin non pas forcément, mais j'ai vraiment craqué sur eux. Et du coup bah, j'en ai pris un, enfin j'en ai réservé un. Il s'agit maintenant que je vais le chercher dans 2 jours, donc vraiment je suis trop impatiente. J'ai commandé l'enclos parce que je voulais pas le mettre en cage. Enfin en fait je suis un peu trop investie, mais bon c'est pas grave. Cette affaire est en train de me coûter un SMIC actuellement, donc il a intérêt à être gentil. Du coup voilà, donc je vous présente mon futur lapin. Donc je vais faire dans 2 jours. Voilà. Donc ben voilà. Je vous présente Dose Stormy. Donc voilà, je l'ai appelé comme ça. Parce que j'ai eu le temps de réfléchir et tout. Ça fait 1 semaine je pense que j'ai été les voir. Et tout ça, je m'étais bien renseignée avant et tout ça. J'ai commandé un enclos, donc l'enclos que j'ai pris est assez gros. Après j'ai commandé de la nourriture, quelques jouets et tout ça. Bref, et là j'ai été à Jardiland ce matin pour acheter ce que j'ai pas pu acheter sur internet, parce que soit ça coûtait trop cher, soit la livraison n'était pas possible parce que c'est trop gros. Donc en l'occurrence c'était la litière et le foin, parce que les granules j'ai pu les prendre sur internet. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça et après on va s'occuper de ma chambre, parce que du coup il faut que je vous explique. Au niveau de son enclos, j'en ai pris un sur internet, donc c'est celui sur Amazon que j'ai trouvé. C'est celui qui arrive le plus vite en fait. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Même si du coup je peux le mettre comme je veux, parce qu'en fait c'est un système de carrés et de petites, pas des vis mais des petits trucs où vous pouvez emboîter les carrés dessus. Donc je vais pouvoir le mettre comme je veux. J'ai pris un bac à litière basique, mais je vous montrerai quand je recevrai le colis demain. Mais c'est un bac basique vraiment. Et du coup pour aller dans la litière, j'ai pris de la litière de chanvre, parce que c'est ce qui était le plus conseillé sur les sites. Donc ça pareil, ça coûte cher. Donc voilà ce que j'ai été chercher ce matin à Jardiland. Donc je pense honnêtement j'en ai pour un bon moment, même si je m'en rends pas forcément compte, donc on verra. Ensuite pour l'alimentation, donc des légumes que j'irai chercher dimanche soir je pense, et enfin voilà, ça c'est pas très compliqué. Et du foin, enfin les granulés je les ai pris sur internet, les granulés qui sont sans céréales je crois. Du coup ben normalement c'est censé être bon, forcément je pense que c'est pas les meilleurs, mais avec le temps je pense que je rachèterai des trucs mieux. Et au niveau du foin, j'ai pris celui que moi il m'a été le plus conseillé, donc c'est du foin au pissenlit comme ça, de chez Jardiland. Et il est très vert. Au niveau après des occupations, parce qu'on m'a beaucoup dit que le lapin s'ennuyait très vite et tout ça, j'ai pris une balle à friandises sur un site. J'ai pris, et comme deuxième jouet, j'ai pris un petit comme ça là, que tout le monde conseille. Basique, je l'ai pris à Jardiland ça ce matin. J'ai commandé un harnais aussi qui arrive, parce que j'aimerais bien essayer de pouvoir le balader. Bon, ça je prendrai le temps et tout, mais du coup je l'ai déjà commandé. Et j'ai commandé un râtelier aussi, mais ça arrivera pas avant que le lapin soit là, parce que j'avais pas le choix. Du coup je mettrai au début la nourriture, je me débrouillerai pour la mettre. Du coup voilà, donc écoutez, j'ai trop hâte de recevoir Stormy. Je vais chercher après demain à 12h30, sachant qu'il y a ma cousine chez moi aussi qui j'ai pas vu depuis un an.
ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, je vais vous montrer où est-ce que je vais mettre l'enclos. Mais du coup, je vais plus du tout avoir d'espace dans ma chambre. Enfin, j'aurai plus du tout cet espace-là. Parce qu'il y a plein de choses. Du coup, il faudrait que je trouve un endroit pour mettre ces choses-là autre part. Il y a une prise aussi qui est dans l'endroit où je vais mettre l'enclos. Il va falloir que je trouve un moyen pour la cacher. Voilà, parce que c'est pas de cache-prise. Donc écoutez, ça va être un peu compliqué. Mais beaucoup de motivation là, je suis trop contente de recevoir Stormy. Du coup, je vais ranger et je reviens. Bisous! L'enclos ce matin, c'est hyper lourd et là j'ai reçu la granulée et la litière. Du coup j'ai ouvert l'enclos, il est blanc, du coup je suis trop contente, je croyais que je l'avais pris en noir mais en fait je l'ai pris en blanc, c'est beaucoup mieux. Et là il y a tout pour le construire, j'ai trois paquets comme ça avec pas mal de gris dedans, donc c'est grave bien, avec un petit marteau, bon voilà, très très parfait, franchement je mettrai le lien en barre d'infos parce que il est trop bien. J'ai eu ça, donc c'est la petite truc. Et les granulés, même s'ils sont pas ouf, ça fera l'affaire pour l'instant parce que la compo avait l'air mieux sur internet, mais c'est pas grave. Bref, c'est très bien. Je suis grave content. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. Ça fait maintenant, je pense, presque 2 semaines que j'ai donc Stormy. Je me suis habituée à lui, je pense qu'il s'est pas mal habitué à moi. Et du coup, je vais vous montrer un peu genre son environnement maintenant que j'ai pas mal entre guillemets aménagé. Et j'ai racheté des trucs donc vous montrer. Donc, ah oui d'accord, super. Attends, j'ai acheté un harnais comme ça. Ah bah il n'y a pas le harnais au bout, mais bref, j'ai acheté un petit harnais. C'est basique, genre je sais pas du coup il est. Je sais pas où est-ce qu'il l'a amené. Bon bref, c'est du coup genre un au cou. Un truc, attends, et un truc au ventre ici. Mais du coup voilà, et après j'ai acheté cette balle qui kiffe. Attends, c'est envie que je puisse montrer. En gros c'est une petite balle comme ça, en vrai il y a tout le monde qui l'a, les gens qui vont en lapin, mais bon c'est pas grave. Non, arrête. Stormy, viens. Et en gros, dedans vous mettez donc la nourriture. Donc je lui donne tous ces granulés dedans, et en fait vous mettez, après vous fermez comme vous voulez, suivant s'il est hyper intelligent ou pas. Et après en fait il faut qu'il fasse rouler pour faire tomber les trucs, donc il kiffe parce qu'en fait il y a de la nourriture et il est hyper gourmand, donc ça marche très bien avec lui. Donc voilà pour les achats que j'ai fait, enfin en fait c'est ce qui me manquait quoi. Donc voilà, vous voyez qu'il s'est pas mal habitué à moi, il vient, enfin parfait, petit lapin. Il est trop mignon. Donc voici son enclos qui est grand, vraiment grand, je vous promets. Du coup là j'ai mis la gamelle parce qu'en fait j'ai perdu le fil pour fermer, enfin pour ouvrir, parce qu'en fait je laisse tout le temps ouvert à part la nuit parce que il fait trop de conneries la nuit. Là il y a sa gamelle d'eau, bon là il y a sa gamelle mais en fait il a tout bouffé. Là il y a sa petite litière, là il y a son râtelier, d'ailleurs faut que je remette du foin. Il y a des coussins et là il y a des plaids en haut parce qu'il dort en haut tout le temps, je sais pas pourquoi mais il aime trop. Et là il est là, ah ben regardez il vient. J'ai acheté cette gamelle là et une deuxième gamelle, il est trop mignon. Du coup voilà, et alors du coup pour ce que j'ai acheté ce râtelier là sur Vinted, j'aurais jamais dû l'acheter. Il est arrivé tout pété mais vraiment, du coup je suis un peu dégoûtée mais c'est pas très grave. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs. Crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. Bonjour à tous. C'est dur pour moi d'enregistrer ça. Oula. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est trop bizarre que la vidéo à mon avis soit pour vous. J'ai attendu longtemps avant de vous en parler. Malheureusement. Stormy est décédée au bout de vraiment pas longtemps. Donc voilà, je sais pas vraiment la cause.
on pense que c'est parce qu'il avait une maladie depuis la naissance, parce que quand je l'ai récupéré, moi, avant, avec sa famille, il vivait dehors, il n'était pas vacciné encore. Du coup, je pense que ça doit être une maladie parce qu'il allait très bien et puis d'un coup, c'est arrivé. Donc voilà. Donc malheureusement, tant mieux décédé. Ça fait maintenant, je pense, presque 2 semaines. Oui, même plus. Et du coup, ça a été compliqué. Je savais pas du tout si je voulais reprendre un lapin ou pas. Étant donné que j'ai fait presque plus de 2 semaines de lapin. Et du coup, après de la réflexion et tout ça, j'ai dit que j'allais en reprendre un. Rien par exemple pour rendre hommage à Stormy, de m'occuper d'un lapin quand même. Parce que voilà, puis j'ai tout acheté maintenant et Stormy ça a vraiment été la preuve que c'est l'animal que je veux vraiment. C'est l'animal que je préfère. J'ai eu des chats, tout ça, et vraiment je préfère beaucoup. Je préfère ça. Du coup, j'ai été voir les lapins, malheureusement, en animalerie parce qu'il n'y a plus de lapins en proximité de chez moi. Et en plus, j'ai eu une mauvaise expérience. Peut-être pas que c'est à cause de ça. Mais j'avais pas envie de retester. Du coup, j'ai pris un lapin en animalerie. C'est pas la peine de m'agresser dans les commentaires. Oula, c'est pas la peine de m'agresser dans les commentaires, ça sert à rien. Voilà, je le dis juste. J'avais que ça à proximité de chez moi et tout ça. Et enfin, bref, c'était plus safe pour moi-même. Donc voilà. Puis un nouveau lapin en animalerie. Je vais arrêter de faire les stormies parce que c'est trop compliqué pour moi. C'est pas la peine de me dire ouais, t'as fait ton deuil, je sais pas quoi, je sais pas quoi. On n'est pas là pour parler de ça. C'est déjà très compliqué pour moi. Voilà, j'ai pas d'explication à donner. Vous inquiétez pas, j'ai pas du tout oublié Stormy. Voilà, c'est juste que par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ça, je sais que j'avais quand même besoin de prendre un lapin pour moi personnellement. Donc j'ai donc adopté un nouveau lapin qui est cette fois-ci Don Bosco. J'ai été en animalerie, j'ai craqué au début sur un lapin. J'avais jamais vu ça, le sosie de Stormy, mais pour des raisons évidentes. J'allais pas adopter le même que lui parce que ça se faisait vraiment pas. Et même moi j'en avais pas envie, c'était vraiment trop bizarre. Du coup j'en ai pris un autre que j'ai vu après et je suis très contente parce qu'il est trop beau, il est trop mignon. Donc c'est un lapin bélier cette fois-ci. Non, la dame nous a dit qu'il allait devenir gros. Donc écoutez, voilà. Et du coup il est trop mignon et je l'ai appelé Snoopy parce que je sais pas. Je savais pas de nom et tout. Et j'ai vu Snoopy, je me suis dit bah vas-y on va l'appeler Snoopy. Voilà, pour finir un peu parce que je vous fais que vous faire des hauls dans cette vidéo, j'ai acheté celle-là du coup de granulé. Voilà, c'est ceux de Hercel Laga, les cunes complètes junior du coup. Donc voilà comment j'ai adopté Snoopy. Je le surnomme tout le temps, je l'appelle Snoop maintenant, c'est horrible. Bref, du coup voilà, donc j'ai acheté que ça en plus parce qu'en soi j'avais tout le reste. Pour l'instant je lui donne que ça à manger et les légumes du coup je lui donnerai au bout de ces 1 mois. Voilà. Enfin au bout de 1 mois après que j'ai adopté parce qu'il a approximativement 2 mois, genre ils savent pas eux non plus. Donc je vais attendre 1 mois parce qu'ils conseillent d'attendre au moins 2 mois et demi, voire 3. Comme ça au moins je serai dans les temps. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. En fait j'avais quand même envie de sortir cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'avais trop hâte de vous sortir quoi. Super dans ma vie ça. Sauf que voilà, cette vidéo est vraiment bizarre. Faut pas calculer. Mais voilà, du coup voilà comment j'adopte Nick Snoopy. Donc je vais vous montrer. Il est très très peureux parce qu'en fait Stormy avait été habitué aux enfants parce que du coup il y a une dame qui s'occupait de lui et il y avait 2 enfants, donc il a été porté depuis sa naissance, alors que Snoopy il vient d'une animalerie, donc il n'a pas du tout habitué aux humains et tout ça, donc il a beaucoup plus peur. Voilà, donc il essaye de s'adapter à moi aussi. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer et je pense honnêtement qu'on pourra arrêter cette vidéo là parce qu'elle est déjà beaucoup trop compliquée à mon goût. Déjà attendez, je vais vous montrer un peu l'aménagement. Donc j'ai refait totalement la cage parce que je voulais pas la même, ça allait trop bizarre. Du coup j'ai mis, donc pareil elle est plus grande parce qu'en fait Snoopy va être plus grand. De toute façon je pense que dans pas longtemps je ferai une vidéo mais je pense le mettre en liberté totale, donc je vais enlever la cage. À l'étage il me manque encore un plaid mais en fait il est en train d'être lavé parce qu'il a fait une connerie dessus.
Là, il y a ses gamelles. J'ai mis un coussin reine des neiges, faut pas calculer, mais c'est juste pour qu'il y ait un coussin. Là-bas, il y a son truc, c'est une plaque de froid que j'ai recouvert. Et j'ai pris un igloo aussi, parce que du coup, il avait vraiment peur. Et voilà, Snoop. Donc là, pour l'instant, il est vachement caché quand même. Snoopy! Et voilà, my baby. Il est trop beau. Écoutez, bisous. À une prochaine vidéo. Strawberry ice cream, one spoon for two, and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching.